Aurélie, satisfaite forcément du résultat après un match il y a 15 jours à domicile où il y avait eu une petite défaite. Là, cette fois, c'est une victoire assez large. Oui, victoire, donc les 3 points, ça fait plaisir, surtout qu'on avait un peu raté notre début de saison à domicile. Après, bon, il y a eu le match d'Angoulême où on a un peu retrouvé nos repères en défense. Et donc là, ça fait du bien de faire un bon match en défense. Bon, la fin de match a été un peu folklorique, mais bon, c'est pas grave, enfin, là, on a assuré l'essentiel. Bon, dans les buts, un bon match de ta part avec quelques arrêts déterminants qui ont permis, qui ont contribué en tout cas à un début canon du HBO dans cette partie avec un 8-0 quasiment d'entrée. Bah oui, on savait qu'en ce moment les débuts de match c'était pas forcément notre fort, donc à l'unisson de l'équipe, on se devait de faire un bon entame. Donc voilà, j'ai fait les arrêts, ça a permis de prendre un écart, mais bon. Voilà, Marie a fait son boulot aussi en deuxième et voilà, on peut être contentes toutes les deux de nos performances et ça fait du bien de faire des arrêts, ça fait du bien d'avoir une bonne défense, ça facilite et voilà. Et ça fait du bien aussi de retrouver un effectif un petit peu plus étoffé avec notamment le retour de Meymouna et de Marie Gerbon qui n'était pas là le week-end dernier. Oui, le retour et bon, Caro Vallon qui nous aide, Amine aussi qui revient. Et oui, ça faisait longtemps qu'on avait été 12 sur une feuille de match et bah, mentalement déjà ça fait du bien de voir que s'il y a un souci, il y a toujours une fille qui peut nous aider et voilà, ça permet de faire tourner et de pas avoir le petit coup de mou qu'on a habituellement. Je pense qu'aujourd'hui on a vu le vrai visage du HBO contrairement à il y a 15 jours. Oui, mais je pense aussi qu'on a encore une bonne marge de progression. Hein. Rien que la deuxième mi-temps, même si c'est encore correct, je trouve il y a encore un petit peu de laisser-aller vu le score. Mais maintenant, il va falloir travailler ça et être sérieuse de la première minute jusqu'à la dernière.